Salut, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Borderlands Pre-Sequel, toujours en compagnie de Jay-Z. Ouais. Et on va tout de suite continuer en ouvrant le conteneur. On avait quitté la station d'Hyperion et on va tout de suite lancer la lune. Profiteuse de Gordor. Par ici. Bon, moi, vu que je suis un robot, j'ai pas besoin de respirer, donc je suis insensible. La chance. Allez, plus vite, moi je t'attends. Hein. De ce côté, pense pas à cette histoire de raisin. Oh. Ah d'accord. Ça crée une bulle d'oxygène. Marrant comment il veut que je saute là-haut, moi. Est-ce qu'il est... Ah, il est là. J'y ai presque. Ce serait la honte de mourir maintenant. Allez. Voilà. Tout va bien? Oui, oui. Un plaisir de te rencontrer. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Et toi? Moi, c'est Athéna. Mais bonjour. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? On doit retourner sur la station Helios. Mais pour ça, on doit d'abord neutraliser un brouilleur quelque part sur cette lune. Un brouilleur, tu dis? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Tu trouveras bien quelqu'un là-bas pour t'aider. Par contre, il va te falloir un réservoir d'oxygène pour y aller. On appelle ça des kits. J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile. Rends-toi à ces coordonnées et nettoie l'endroit. Oh, allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour voyager, d'accord. Quand tu penses, meurtre! Munition Marcus. Marcus il est partout hein. Ouais. Ah non, faut que ça c'est pour les voitures, je pense. Yeah. Bah, c'est par là peut-être. Non. Il faut remonter. On va regarder la map. Alors. Je pense qu'il faut sortir, mais ouais, faut sortir. Je sais pas où tu... Elle t'a donné un... Non. Il faut que j'aille le chercher justement, mais on peut sortir que par en... On peut sortir en bas ou pas? Je sais pas, je vais tester. D'accord. Ouais, on peut sortir. J'arrive. Je peux pas respirer. Tu peux pas respirer, comment tu fais pour parler? T'es marrant toi. Là tu sautes dessus, tu dois aller plus haut peut-être. Là c'est des trucs d'oxygène je crois. Ah, un truc d'oxygène. Ah non. D'accord. Si si, c'est ça. Je sais pas. Ça fait mal aux yeux ça, quand ça passe... Quand ça fait le truc, plus d'oxygène. Boing. Derrière. Autrefois c'était un seul morceau ici. Et il n'y avait pas toute cette lave. Et puis ensuite, bah, je vais allumer la grande fissure, quoi. Check. Tac, on joue ça. Ah, on peut pas. Ah, j'avais oublié, c'est verrouillé. Oups, plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches. C'est comme ça qu'on dit main ici. Ah, et les serrures, lesquelles serrures? Ah oui, celle-là. Voilà, et le dernier. Allez, allez. Là, voilà. Tu pourrais aussi me tuer tous ces méchants? Pas très envie de me faire molester à nouveau. Hey.
On ouvre tout. Et voilà, un kit d'oxygène. Idéal pour la respiration, juste, les doubles sauts et le pilonnage d'ennemis. Oula, trop loin. Si pour moi tu serais plus là, tu vas me remercier en tuant quelqu'un. Son nom, c'est Poids Mort. Il est près d'ici, et c'est un connard. Oh, il merde. A aussi un truc qui me permettra de nous faire entrer dans Concordia. C'est bon, t'as tout nettoyé? J'arrive. Apporte-moi le kit d'oxygène cassé, je vais te le réparer. Voilà. Comment j'en monte, moi? Comme ça? Ouais. J'arrive. Ah, t'es mort? Oui, en fait je voulais aller de l'autre côté et je me suis pris le plafond. Et du coup ça m'a fait tomber tout droit. Ouais. Dans le vide. D'accord, on peut... Zarpedon. Enfin bref. Il a la clé de numérialisation de mes stations Munzumi. Tu le tues, je te fais entrer dans Concordia et je saute de joie. Tout le monde y gagne. Ah, un immolateur. Y a du monde là, y a plein, y a un peu beaucoup de dragon, je crois que ça s'appelle, un dragon. Je cours, enfin je roule. C'est bon. On tue Poids Mort. Ah, on va déjà prendre la quête qui est là. Saleté de graisse, y en a partout. Les quêtes. J'ai besoin que tu m'aides à fabriquer des affiches stimulantes. Pardon. Bah faire les quêtes annexes. Hein. Si jamais tu me cherches, je serai dans mon campement. Terrain vague de Sénérite. On va sur les quêtes annexes avant. Il faut retourner de là où tu viens. Ah merde. Ah, je suis invisible. C'est ta capacité peut-être. Ah mais en fait les... Ouais. En fait c'est marqué que ça s'adapte en fonction du chasseur de... Attends, je vais lire le... Ça va devenir violent. Ouais. Analyse la situation et déterminera quel chasseur de l'arche sera le plus approprié, puis chargera un pack d'actions permettant à Claptrap de se battre dans ce style. Donc en fait j'ai un peu toutes les capacités des autres. D'accord. Voilà. J'ai pris un peu ma capacité vu que j'ai... Hop. Donc là il faut aller là-bas. On peut redescendre rapidement sur Terre en faisant C. On doit retourner là-bas pour faire... Là on va faire quelques quêtes annexes. Voilà. Je t'attends où hein. Moi, j'ai déjà bougé. Ouais, j'arrive. Je mettais mon point de compétence. D'accord. Oh, feu, je suis tombé. Je suis aussi à sec que... Je suis vraiment à sec, quoi. Ah, si, juste à côté. Il faut que tu remontes. C'est à gauche. C'est là-haut, normalement. Ah oui, mince. Okay. Pourquoi il met une échelle qu'on peut pas prendre? Ah si, on peut. J'ai rien dit. Bon, je t'attends dans la zone de CO2. Enfin, de O2 plutôt. Tu passes par les plateformes. Ouais. On regarde la map en attendant. C'est quoi ce que je vois derrière? Ah ouais, c'est... D'accord, c'est une source d'oxygène. J'ai installé des caméras au plus haut de ton seau. Il faut juste que tu t'envoies en l'air en disant un truc stimulant. Pardon. Que tu sautes très haut en disant un truc stimulant. La seule limite, c'est toi? Ou je sais pas quoi? Super, cool. Cette fois-ci, je vais balancer des cibles. Essaie de les descendre avant d'atterrir et ça fera une affiche encore plus top. Et il dit encore un truc stimulant. Ah d'accord, c'est en face, j'avais pas vu. C'est moi ou c'était Plugano?
pas des plug anal, c'est un plug anal, ça, non? Ça ressemble à des plug anal. Ça ressemble à des plug anal. Saute, puis pilote violemment la plaque de pression en t'accomplissant une fois en l'air. Ensuite, dis un truc cool en prenant une pose de brutasse. Je sais pas avec elle. Athéna, terminé. Ouais, de l'argent. C'était cool. Maintenant, allume l'imprimante et elle te crachera tes affiches. Il est partagé, je crois, hein, l'argent. Oui, l'argent est partagé. Il faut descendre. Alors non, tu peux utiliser double espace pour aller un peu plus vite. Ouais, ça fait une sorte de jetpack. C'est charmant. Allez, reviens. Alors, voyons voir les affiches. On voit rien. On voit que dalle. Trop bien l'affiche. Je déteste les cragons. Il n'y avait pas de film dans les appareils. Non, je déconne. C'est de l'humour. Pleure pas. Alors, Ah, celle-là m'intéresse bien. Poids mort, ce type que je t'ai demandé de buter. Il vient de me commander des affiches stimulantes. J'ai des gros problèmes de motivation. Va à son vaisseau et colle-en partout. Tiens, prends ses affiches et l'accusé de réception. Voilà. Je vais vendre un peu tout ce que j'ai. Bienvenue dans mon humble shop. Ouais. Entrez, entrez. Voilà. Bonne chance. Plein d'armes inutiles. Prendre la pile d'affiches. Où j'ai foutu ce truc, moi? Faut que tu fasses signer l'accusé de réception avant de pouvoir coller les affiches. On peut toujours pas prendre. Donc là, ce sera sûrement quelques petites quêtes annexes. Hein. Les quêtes annexes qui sont dispo. Quand il y aura des quêtes annexes dispo, on les fera. Voilà quoi. Puis en même temps, ça fait XP donc. Bah ouais, comme ça, on aura pas, on aura pas besoin de farmer. Si jamais on galère trop. Ah, ouais, c'est quoi ça? Un gargant brutal. Oula, bon, je vais bouger parce que je crois qu'on va pas pour le tuer. Il y a un peu beaucoup de vie. Essayer si tu veux, mais. Oh, je pense que c'est faisable. Ah, ouais, tu as fait beaucoup de dégâts. Hein. Derrière aussi. Oula. Voilà. Il y a la musique. Fuck, la musique. C'est mon mini clap trap. Ah d'accord. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Je trouve stylé ces mobs. On dirait les slags du 1 et du 2, mais. Ouais. En rocher. Il y a plein de petites bonbonnes d'oxygène. Ouais. Par là-bas, un petit coin normalement. Ah non, pas. Hop. Je regarde la map. D'accord. On la fera après celle-là vu que c'est dans une autre map. Salut. Ok. Un jour où je m'ennuyais à mourir, on va faire la coupe d'Elpis. Je me suis mis à écrire des bouquins pour enfants, mais je les ai perdus. Tu pourrais me les retrouver? Comme ça, tu me donneras ton avis. Alors ça va être quoi? Ça va être comme le poème dans le 2 ou bien? Prudence, niveau d'oxygène à 50% et en baisse permanente. Ok. Il est congelé. Une fois une lune. Un jour, des soldats se sont posés dessus pour forer partout. Et ils en voulaient toujours plus, alors ils sont allés tout au fond du fond du fond. La lune s'est fissurée, des gens sont morts, et personne ne vécut plus jamais heureux. Fin. T'en penses quoi? Un truc pour remonter là. Ah d'accord.
Je vais réfléchir à ça. Je crois qu'il y en a un autre dans mon ancien camp. Il a été envahi par les Kragon. Ils ont tué ma... Ils l'ont tué. Je dis jamais ces phrases. Voilà. Un Kragon appelé Lance-Flamme sortit un jour d'une fissure et mordit une charmante femme qui lui éclata la figure. Puis ce Kragon a disparu et on ne l'a plus jamais revu. Alors ? C'est sombre, mais on sent un travail sur les rimes. Ok, merci pour ton opinion. Tiens, ça me rappelle, le fils de Lance-Flamme me doit une vie et il est toujours là quelque part. Retrouve-le et rapporte-moi ça, tu veux bien ? Alors, où est-ce qu'il est lui ? Il est là-bas, d'accord. T'es dans le petit cratère là-bas qu'on voit. Enfin, dans... Ouais, le truc de lave. Ah bah dis donc, il a grossi ! Tue-le ! Calmez, oui. Ça va être... What? Regarde, il a dû bouffer mon dernier bouquin. Tu m'as fait quelque chose, mais je sais pas quoi. Les aventures de bébé Kragon. Et non, j'aurais des petites licornes. Ils ont vu de drôles de bestioles à deux pattes et les ont pris pour de la nourriture. Alors bébé Kragon et sa maman ont attaqué le camp. Les petites licornes qui m'ont vu le long de l'écran. Lance-Flamme a seulement amoché une bête à deux pattes. Et bébé Kragon en a tué une autre. Ensuite, j'étais heal, non, bébé Kragon s'est enfui comme une petite. Non, tu m'as fait augmenter mes dégâts. Cette espèce de sale fils. Avec moins de précision. Le lien doit être corrompu ou un truc, je sais pas. Rapporte-moi ça pendant que j'en écris un autre sur le chasseur de. Ah, parce qu'il disait que c'était pas feu. Toujours bénéfique. Non. Ah. C'est vraiment gélatoire ce personnage. Ouais, voilà. C'est sympa, c'est sympa. Ils sont lâchés sur ce personnage. Ouais, des fois ça te buff tes dégâts et ça t'enlève ta précision et tout. Ah bah c'est ce que j'ai eu. Quel dilemme. Voilà. What? Elle fait du moonwalk. Trop forte. Allez, je veux valider la quête, mais ça marche pas. Allez. Arrête de bouger. Allez. En tout cas, ça a l'air assez fort, hein. Claptrap quand même. Ouais. J'arrive pas à la kicker dessus. Ça. Saleté de graisse, y en a partout. Mais, tu peux lui parler ou pas, toi? Non, ça doit bugger. Bugger ce perso. Arrête de bouger. Retourne-toi. What? Non, c'est... Mais, quoi? Bon, on la validera après. On devra revenir ici. On va faire suivre son cœur. Je peux pas passer par la fenêtre? Ah, dommage. Cette zone elle est plus petite, je trouve. Je crois qu'il va être moins qu'il va être plus court ce jeu. Ouais, ça a l'air un peu. Allez, vas-y, je te rejoins. Va jusqu'à la zone. Ah oui, c'est le truc avec l'autre zone là. Ouais. Mais on va changer. Faut comme ça quoi. On attend pas encore hein. Non. Prudence, niveau d'oxygène à moitié rempli. C'est au prochain embranchement je crois. Ah non celui-là c'est bon. Normalement. À moins que non. Non. Tu prends juste de l'oxygène. Peut-être pour le chemin du retour sûrement. Ouais.
J'aurais moins mauvaise conscience de tuer toi mort si je savais pourquoi tu tiens tant à sa mort. C'est juste un connard. Et c'est tout? Il a aussi volé ma clé de numérialisation, Munzumi. Il m'a laissé là et il s'est montré insultant quand je lui ai dit qu'on n'était pas du même bord. Mais surtout, c'est un connard. Du coup, ça fait quoi ta compétence spéciale? Ça met un bouclier et ça absorbe les dégâts qui ensuite les renvoie. Les renvoie quand je meurs en plus sur F. Faut savoir l'utiliser aussi. Vous êtes fait que l'attraper? Mais non, mais j'ai... Tirez, toujours tirez. Ah ouais, d'accord. Maintenant, quand on tire, on peut plus s'arrêter. C'est ça le truc. C'est assez OP en fait. Mais putain, je veux pas tirer. Ah, je veux rien. Oula, je vais mourir. Ah, c'est bon. Mais encore un brutal. Je vais être à court de balles. Ah, moi aussi. L'esquive lui. Encore. Il y a trop de monde. Chasseur de l'arche. Ici le colonel Zarpedon. Désolé. Tu dois quitter Elpis. Les choses ne vont aller qu'en s'empirant. Je ne veux pas te tuer si je n'y suis pas obligé. Dis ça aux gens que tu as assassinés sur Helios. Très bien. Comme tu veux. Poids mort, ici le colonel Zarpedon. Je veux que tu tues les chasseurs de l'arche qui s'approchent de ton vaisseau. Va te faire voir, Zarp. Je refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison. Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles. Je vais en faire de la purée. Hop. Bon là moi je peux faire le cragon je crois. Fléau trap. Ah bon, et depuis quand il se prend deux maintenant? C'est résistant hein, quand même. Bon, on va avancer un peu. Ouais. Par là-bas. Aïe. Allez. J'ai plus de balles. C'est bon. Oula, attention. Voilà. Je t'attends de l'autre côté. Alors ça s'est fait quoi? Je fais mon point. Voilà. Ils sont derrière toi. Non, j'ai plus d'armes dans... J'ai plus de munitions dans rien. Oula, il est bugué lui. Allez, on va dans la zone. Voilà. Regolith Twinge. On va acheter de la vie et des munitions. Bonjour, je garde des points. Bienvenue dans mon âme. Merci très beaucoup. Da Svidania. Un grand jour pour le capitalisme. Satisfait ou remboursé? Santé et bouclier. Merci pour l'oseille.
Ils vendent des kits d'oxygène là. Okay. Ils sont pas intéressants. Ah, la maison ne rembourse pas. Alors voyons voir ce qu'il y a ici. Hein. D'accord. Ça va aller assez grande cette map, je trouve. On va déjà faire ce... la mission qu'on a. Ouais. C'est des mercenaires qui s'approchent de mon vaisseau. Je vais prendre mon envol et les pilonner du ciel à coups de derrière. Je suis un cérébral. Wow, wow. Je me fais un peu casser la gueule. Ah, j'ai un PV. J'ai vu ça. Monocycle en jambon, ne tirez pas frappé au corps à corps encore et encore. Ça, à mon avis, tu fais plus de dégâts au corps à corps. Ouais, je libère des trucs de Nova. Wow. Wow. En fait, c'est assez cheaté. Claptrap. Je sais pas si c'est toi qui lag ou si c'est moi, mais c'est pas grave. Tu lag un. Un ou deux lag un petit peu. Ça va. Ça doit être moi. J'ai une action. Allons-tu. À la tête. Tête qu'ils ont. Quelques dégâts pris ici. C'est ici qu'on doit aller normalement. Enfin, on peut monter, ouais. Voilà. C'est cause oui. Qu'est-ce que tu fais sur le territoire de Poids Mort, lâcheur? J'ai besoin d'une signature pour un colis. Ce serait un vrai bonheur. Ok. Super, maintenant file-lui le colis. Réserve d'oxygène. Merci. Et maintenant, tu dégages. Il a le colis? Cool. Maintenant bute-le. Ça reste quand même un connard. Qu'est-ce que... Génial. Maintenant, t'as plus qu'à coller les affiches un peu partout sur le vaisseau. Les hommes de Poids Mort vont tout faire pour te descendre pendant ce temps, mais bon, c'est la vie. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, on donne les affiches, après on les récupère. Je comprends pas. Merde. Non, tu mourras. Je ne mourrai pas. Par contre, ça revient tellement vite mon bouclier, c'est n'importe quoi. Une tourelle claptrap. La stratégie qui consiste à afficher des photos de moi-même dans l'antre de mes ennemis. Voilà, une affiche de posée. Continue. Mes clients reçoivent toujours leurs marchandises, même si tu leur bousilles le plexus solaire en même temps. Y'a un peu de santé par là. J'ai pas peur. Quelqu'un a besoin de santé? C'est fait. C'est vrai que c'est intimidant. Plus que quelques affiches. Rêve pas. On est un peu plus haut niveau que c'est indiqué pour cette zone, à ce que je vois. Ah, pierre lunatique. Enfin, pierre lunatique. Pierre brutale. Je dis pierre lunatique. Ah, parce qu'il y a un lunatique. Ouais, il y a un lunatique juste ici. Oh, il m'a défoncé d'ailleurs.
Oh non, pas des fourrières. C'est juste que j'ai passé plusieurs mois complètement seul à me faire quasi tuer par des kragons. Je dois bien l'admettre. T'as besoin d'aide ? J'ai l'air cool. Ouais. On colle encore une dernière affiche et on n'en parle plus. Oups. Voilà. Merci. Hop. Micro-magicien. Ah, je te heal normalement. J'avais surexposé la dernière série de photos. Du coup, j'ai mis une photo de chat à la place. Ça plaît bien, les chats. Enfin bref, reviens. Du tout, du tout. Ouais, alors là, c'est bon. Maintenant, il faut aller faire la quête. Celle-là, abandonnée. Ouais, à vendre, je crois. Ah non, celle-là, elle est mieux. Bah, ben, elle prend beaucoup plus de munitions. Non, merci. Voilà, maintenant, il faut qu'on passe par là. Fasse le tour. D'accord. Je sais pas si on peut y aller. Poimor utilise cette plateforme de saut comme porte d'entrée. T'as qu'à faire comme lui. J'ai désactivé la plateforme. Pardonne-moi, petite plateforme. Je voulais pas. Merde. Rends-toi à cette sous-station géothermique. On va voir ce qu'il a fait. Là-bas, ok. Il vient, bordel. Laissez pas ces prétentieux d'Hyperion faire un pas de plus. Y'a plus personne. On les a déjà tous tués. Ouais. Pourquoi ça marche pas? Ah, le fusible est pété. Eh mais j'ai une idée. Ça pourrait être toi le fusible. Pardon? Si tu refermes le circuit entre ces deux câbles, ça devrait réactiver la plateforme. T'as qu'à te tenir entre les deux bouts qui font des étincelles. J'aime pas cette idée. Bien sûr, tu vas douiller. Bien, maintenant tue-moi ce type et tu pourras aller à Concordia. Pourquoi est-ce que ces raclures d'Hyperion sont encore en vie ? Voilà. C'est bon. Attention, ça va exploser. Voilà. La petite musique de Claptrap. Allez, go on drop. Utiliser des plateformes. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai aussi assisté à la mort de nombreux innocents. Ouais, mais des plateformes, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont avec des plateformes, quoi? Bizarrement bien. C'est si grave d'utiliser des plateformes, quoi. C'est leur pile du combat avec le boss.
rochette Concordia et de ton brouilleur mystère. Ah oui, il fait mal, hein. De balancer ton cadavre sur une plateforme et de le regarder s'envoler comme une petite tourterelle. Ok. Encore un fou. Encore un malade. Ah non, faire ouvrir avec cette arme là. Je suis mort. J'essaie de tomber. Aïe. Ah je meurs. Aïe. Tu meurs aussi. Bonjour. Merde, j'ai pas voulu faire ça, merde, je me suis cisté. Tellement intelligent. Et on se retrouve ici. Il va être chaud hein, ce boss. Ouais. Il y en a qui voulaient de la difficulté, et bah ils en ont. Le voilà. Bute-moi ce débile. Je devrais pouvoir te rapprocher de Concordia et de ton brouilleur mystère. J'exige la mort de ces chasseurs. Ah c'est quoi? C'est l'électricité. Ok, il a électrifié le sol. Mais c'est parti, t'es pas électrifié, c'est quoi ce bordel? Attends, j'ai juste essayé de survivre. Vas-y. Survive juste, c'est bon. T'inquiète. Bon, je tape au corps. Un peu de difficulté, là on est servi. Ouais, là c'est un vrai boss. J'ai commencé à sortir beaucoup de Norfleet. Ça fait vachement de dégâts. Il y en a remplacé qu'un an, je rebondis, putain. Ouais, ça te fait des trucs aussi quand j'active mon. Ah ouais, je l'ai aussi, t'inquiète. Et ça envoie les balles. Ah, je vais mourir. Quelqu'un a vu ça? Il est impossible à tuer ce boss. Merde, le soleil électrifié. Ouais, je meurs encore. Méga chaud. On a pas le stuff encore pour ça d'ailleurs. Non, du coup on va se faire plein d'XP si on arrive à le buter. Si on arrive, imagine. Si on y arrive. Par contre je perds tellement d'argent. Ces bulles là, ça fait vraiment penser au Norfleet dans le 2. Je sais pas si tu vois c'est quelle arme. Ouais. Putain, il y a toujours son bouclier, c'est une blague. Hein. Et tu peux détruire les boules en tirant dessus. Il est en face, t'as. Il y a 235 là. Et bouclier donc bordel. Il
faut juste déjà commencer par faire tomber son bouclier, après on verra. C'est, j'ai fait tomber son bouclier. Nice. Là maintenant sa vie elle est très basse. Prendre son bouclier, il est beaucoup trop grand. On se prépare. Bravo. Je monte niveau 6. Idem. Ah, ok, une couleur. Indigo go. Elle doit pas être bien loin. Alors je vais quoi ça. Je vais chercher la clé de numérialisation. Je vais mettre mes compétences alors. Voilà. Bon sang, je suis bien contente de la revoir. Ramasse là. Maintenant que t'as la clé de numérialisation, tu peux activer un de mes Moonzumi à la station d'Al. Ah, il y a des armes. Vite. Mais fais gaffe, c'est rempli de pillards là-bas depuis la grande fissure. Arrive, hop. Alors là c'est des boucliers. Celui-ci. Et en armes, pistolet de base. Ah oui, il y a plein de. Voilà celui-ci. Comme ça. Ah non, celui-ci a l'air mieux. Là, on va aller prendre la quête. Hein. La mission disponible dernière volonté. Ok. Ces geysers d'oxygène peuvent remplir ton kit. Passe dessus et inspire bien à fond. Voilà, là j'ai une meilleure arme déjà. Monocycle en jambon. Au corps. Moi j'ai un truc de sadique là. Ouais, bah j'ai la même chose que toi en fait. Ah ok, d'accord. Que tu as joué aussi. Bouclier alimenté. Je croyais que c'était juste les attaques au corps à corps qui étaient augmentées. Normalement, ouais. Oh non, toi t'as le truc de sadique, oui, ouais. Du coup, Ouais, toi t'as l'arme de sadique, mais moi j'ai les effets que t'as en fait. Ah ouais, t'as les effets. Oui, t'as pas la grosse arme de sadique dans les mains. Non, je l'ai pas. Ça c'est ton F ça, truc aléatoire. Quoi? C'est ton F ça, c'est un truc aléatoire. À quoi? L'arme de sadique? Enfin non, le truc aléatoire. Enfin, en fait, des foyeurs, ça analyse les trucs. Ceci, le testament de Tom Thorson, ça analyse la situation et genre si ça fait, je sais pas comment ça se passe, mais genre ça fait en fonction en fait la situation. Passe au message suivant quand tu seras prêt. Bien sûr. Merci. Tout d'abord, je veux que tu informes le colonel Zarpedon de ma mort. Branche cet enregistreur écho dans un émetteur et envoie le message. D'accord. Alors j'ai déjà cette personnalisation à faire. Voilà mon offre, quoi. Je sais bien que tu es une sacrée brutasse. Enfin, voilà mon offre, quoi.
toi. Je sais bien que tu es une sacrée brutasse et tout, mais je veux être sûr que tu ne me laisseras pas tomber en cours de mission. Ça. Si tu m'embauches, tu paies bien plus qu'une simple mercenaire avec un flingue. Tu paies pour des années d'expérience. Tu paies pour le professionnalisme. Tu paies pour le respect total de la mission. Ah oui, c'était ça ton pitch au général. LP, c'était une colonie de dalles à une époque. Et puis, il y a eu la grande fissure et ces éruptions de lave partout. Ça les a fait déguerpir en vitesse. Ils ont tout abandonné derrière eux. Leurs usines, leur matériel, tout est là où ils l'ont laissé. Après quelques années, la première flotte est arrivée. C'était pas vraiment la première, mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Les gens sont revenus vivre ici. Enfin, vivre, c'est un grand mot. Mais il y a des gens, quoi, au milieu du reste. Personne ne sait vraiment ce qui a provoqué la grande fissure. Mais pour la plupart des gens, c'est à cause de dalles. Et de leur forage, probablement. Je sais pas. J'imagine qu'une histoire n'a pas besoin d'être vraie pour qu'on puisse y croire. Il suffit juste qu'on la raconte. Et celle-là, je la raconte souvent. Allez, go. Pour l'oxygène. Super, t'as survécu à Krakompas. Quel exploit. Je te mets au défi de venir ici et de faire pareil. Combien de temps par là qu'on venge Point Mort et sa combinaison de l'espace? Ça c'est la, de toute façon c'est la quête qu'on fait actuellement. J'arrive. Je regarde si ordonné. C'est là-bas, d'accord. C'est bon. La station d'Al. Oh merde, je pensais pas que tu viendrais vraiment. Tire dessus. Merde. J'occupe des ennemis derrière en attendant. Ah non. J'essaye de monter déjà. Voilà. Du capitaine Thorson, chasseur de l'Arche. Même si je ne ferai preuve d'aucune pitié envers toi, tu as mon respect. Lorsque tu auras averti le colonel de ma mort, j'aimerais que tu me venges. Il semblerait que Squat, le bras droit de Point Mort, soit en train de monter à bord de mon vaisseau. Si tu peux le retrouver et le tuer, je t'en serai reconnaissant. Ok, bah de toute façon il est juste là, Squat. Quelqu'un a vu ça ? J'ai trouvé Squat. Voilà, ça fait santé basse, ennemi présent, copain, et du coup. Ah merde, je le heal. Je te heal normalement. Enfin, je vois. Je pense pas. Hein. J'arrive à te viser. Ah là, je vais mourir. Ah merci. Ah. Ça il passe, c'est pas grave. Si j'en ai affaibli un, voilà.
J'ai pas les armes. Merci d'avoir tué Squat. Bon sang. Voilà que j'entends. Très bien, une dernière requête. Je veux que tu trouves un dénommé Nel. Le dénommé Nel se trouve juste dessus. Maintenant, dis-lui qu'il est moche. Le capitaine Thorson dit que t'es moche. Désolé, je suis pas en mesure de te récompenser, rapport au fait que je suis, mort. Mais quand même, merci. Chasseur de l'Arche, je tiens à te remercier d'avoir honoré le testament du capitaine Thorson. Rends-toi aux coordonnées suivantes. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, donne-moi du fric. Ah, c'est en haut. D'accord. Bon bah on fait du parcours hein. Ah non, c'est juste là, d'accord. Je crois que c'était encore plus. Mes hommes ont caché ces armes, voilà des mois. Elles sont à toi jusqu'à ce que je les reprenne. Oui, oui. Alors... En fait, mon flingue est plus fort que... Je vais m'occuper de cela, voilà. Maintenant, je crois qu'on est obligé d'aller à... Ouais. On va directement aller à la station. À moins qu'il y ait quelque chose pour soigner... Ah, désolé, je peux pas t'aider là. On t'en fait pas. Ah, tu comprends pas où c'est. Sans savoir un truc de soin ou quelque chose là, mais je vois rien. Ou alors c'est tout en dessous. Non, oh, c'est pas grave. Je prends l'oxygène là. Et je te rejoins. Voilà. Ah, c'est l'autolock, je crois. Je pense. Attention, entrez dans une atmosphère positive. Ouais, ah, des armes, enfin des munitions. Bienvenue, ravistolez-vous. Quelle belle journée pour faire des affaires. On va vendre ce que j'ai pas besoin. Si toi avoir mal, pensez à Nina. Bonne qualité, prix très bas et aucune question. Je savais pas qu'il y avait des armes laser. Reviens quand tu veux. Activer de la Moonzoom. Ignore ça. Colle-lui une mandale. Ok, c'est bon. Non mais sérieusement. Maintenant récupère un véhicule et reviens me voir. Si tu veux tuer des cragons tant que t'y es, je pourrais faire des bijoux avec leurs cadavres. Voilà, allez, c'est bon. N'oublie pas de revenir. Ah, j'ai un truc qui permettra d'entrer à Concordia. Tu trouveras peut-être ton signal et tu pourras rentrer sur ta grosse station spatiale. Elles sont stylées les voitures. Alors je regarde où c'est. D'accord, on passe par là. Oh, tu es en vie. Je me suis fait un high-five à moi-même. Ils sont des métros, alors je dois la mettre en veilleuse. Trouve le brouilleur, neutralise-le et reviens sur Helios. Je lui fais 2 de dégâts avec Eric. C'est quoi ce petit? Petit, voilà. 2 XP. Passons par là, et c'est parti. Athéna, c'est vrai que t'as mis à genoux la société Atlas à toi toute seule? J'étais pas seul. Je me demande bien ce que sont devenus les autres. Voilà, voyager. On va aller rendre toutes les quêtes et ensuite on arrêtera cette vidéo ici. Ça fait pratiquement 1 heure qu'on y est là.
un peu beaucoup. Oh, j'ai vu un bug. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais qu'on tombait dans la lave. Ah ouais, la texture était pas encore chargée. Vraiment reprendre l'habitude de conduire ce véhicule parce que c'est se conduire la souris. Oula. Olé. J'ai fait du deux roues. Voilà. Avec un peu de chance, on pourra rendre l'autre quête. Avec un peu de chance, on pourra lui parler. Tiens, prends ça. C'est un orbatron. Ça te permettra voilà. D'entrer dans Concordia. J'ai des éditeurs intéressés. Ah, un sniper, bien. Si les passes. Très bien. Franchis la fissure avec ton véhicule, tu seras déjà presque à Concordia. Une fois là-bas, tu devrais pouvoir trouver. Ça, c'est bien. Je sais pas quoi. Je te retrouverai sur place. Un sniper. Oh, et Athéna, t'es très jolie. Ça méritait d'être dit. Merci. Hold de flingue. Alors, faire le plein. Merde, j'ai un sniper. Ah, la maison ne rembourse pas. C'est quoi ce flingue? Ah ouais, d'accord. J'ai beaucoup de dégâts quand même élémentaires. Je préfère le sniper comme d'habitude. Un préféré. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous aura plu. C'était Zeus Dead pour HD, toujours en compagnie de Jay-Z. Bye bye bye. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.